rapidement, je vais inviter notre pasteur. Et quand il va passer, j'aimerais bien que tu manifestes la joie. Acclamons au nom de Jésus. Acclamons. L'Éternel est bon, il nous a fait du bien. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Je suis avec toi pour te délivrer ». Notre thème s'intitule « Je suis avec toi pour te délivrer ». Alléluia. Je suis, ce verbe être autant, parce que il y a des paroles, on peut dire, j'ai été avec ton père, j'ai été avec Moïse, j'ai été avec Abraham. Mais là, l'Éternel te parle au temps présent en disant, que je suis avec toi pour te délivrer. Il y a dans la Bible, il y a plusieurs sortes de paroles. Il y a des paroles déclarées par des prophètes, des paroles déclarées par des juges, des paroles déclarées par des serviteurs ou des servantes de Dieu, des paroles déclarées par des apôtres, des paroles déclarées par Jésus. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Cette parole est tirée dans Jérémie chapitre 1, verset 8. Cette parole est tirée dans Jérémie chapitre 1, verset 8. La Bible dit, ne crains point, car je suis avec toi. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Ainsi dit l'Éternel des armées. Il est avec toi. Dieu est avec toi. Il affirme, il parle que je suis avec toi. Mais je ne suis pas avec toi pour voir ton échec. Je ne suis pas avec toi pour que tu vives longtemps des blocages. Mais je suis avec toi pour te délivrer. J'aimerais revenir un peu dans ce terme qu'on appelle délivrance. Et lorsque nous parlons de la délivrance, aujourd'hui, des gens comprennent que la délivrance, lorsqu'on parle de la délivrance, ce n'est que des démons. Une personne qui est captive, qui est limite, qui a des mouvements limités, cette personne ne peut pas faire des choses correctement. Il est captif, donc il cherche aussi la délivrance. Et vous allez se rendre compte, la Bible parle. Lors des enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu parla à Moïse en disant, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Ils n'étaient pas possédés de démons, mais ils avaient une situation qui les obligeait d'être des 6000 humiliations. Ils étaient réduits à l'esclavagisme pendant 430 ans. Et Dieu a dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Et maintenant moi-même, je me suis descendu pour libérer mon peuple. Ça veut dire, la délivrance ne reste pas seulement si des caractères spirituels ou des caractères de démoniaques. Mais la délivrance peut être aussi humaine. Il y a certaines situations de la vie, demeure, dire, ça devient la captivité. Rien ne change dans ta vie, rien n'évolue. Tu fais des choses, mais rien n'avance. C'est-à-dire, dans ce genre de situation, tu as aussi besoin d'être délivré. La délivrance peut se faire aussi pour une personne dont sa vie est en prison. Or, nous avons appris ici, et lorsque nous parlons de l'emprisonnement peut avoir plusieurs formes. L'emprisonnement n'est pas seulement spirituel, n'est pas seulement charnel, non, est aussi spirituel. Tu vois, tu fais des choses, tu n'évolues jamais. Tu fais des choses, tu ne progresses pas.
Mais l'Éternel te parle aujourd'hui en disant, je suis l'Éternel et que je suis avec toi pour te délivrer. Ne crains point, n'ayez pas peur, ne tremble pas, parce que lorsque Dieu est avec toi, ta situation doit changer. Lorsque l'Éternel marche avec toi, ce qui était impossible, il rendra cela possible. Lorsque l'Éternel est avec toi, tes échecs vont être changés en victoire. Lorsque l'Éternel est avec toi, peu importe les projets que l'ennemi est en train de préparer dans ta vie, sera nul et sans effet. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu te parle en tant que vainqueur, en disant ne crains pas. Un vainqueur n'a pas peur, car il sait tôt ou tard. L'heure viendra, étant donné que son Dieu est à côté de lui, lui il va réussir. Quelque chose de sa vie va changer. C'est pour cela qu'il te parle aujourd'hui. Ne crains point, je suis avec toi. Peuple de Dieu, la Bible m'apprend, à l'époque des prophètes Élie, c'était une période dont le prophète, toutes les prophètes et Dieu étaient massacrés, tués. C'était à cette période-là, il y avait plus de prophètes de Baal, d'Arstaté, que des prophètes de Dieu. Et la Bible dit, il était le seul et l'unique prophète à cette époque-là, parce que tous les prophètes étaient massacrés. Mais cet homme avait l'assurance. Peu importe si les prophètes sont massacrés, peu importe si tous les prophètes sont morts, peu importe si le mal domine maintenant, si le prophète est mal et dans sa tête domine, mais j'ai l'assurance que l'Éternel est avec moi. Je ne crains pas parce que je dois mourir, je ne crains pas parce que je dois échouer, je n'ai pas la crainte car je sais que l'Éternel est avec moi. Laisse-moi te dire, l'une des choses les plus compliquées que tu peux traverser dans la vie, lorsque tu sens l'absence de ton Créateur. C'est pour cela, lors du défi, il a dit au prophète Émar, il a resté, je vous mets en défi. Je vous mets en défi, parce que je sais que j'ai un Dieu. Je sais, il est avec moi. Je sais, il marche avec moi. Je sais, il dort avec moi. Si je me suis levé comme un prophète, c'est lui qui m'a élevé. Il ne me laissera jamais. Il ne te laissera jamais vivre dans la honte. Il ne te laissera jamais que tu demeures captif. Peu importe le temps que la captivité a régné, Dieu mettra fin à cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, je vous mets en défi. Et la Bible dit, ce jour-là, le défi était si simple. Dieu aime l'adoration. Si mon Dieu aime l'adoration, votre Dieu aussi aime l'adoration. Nous allons bâtir un autel, nous allons adorer. L'unique assurance que lui avait, il savait que son Dieu était avec lui. L'unique assurance que tu dois avoir aussi dans cette assemblée, tu dois savoir, peu importe le vent, les tempêtes, que Dieu est avec nous. Amen. Étant donné que Dieu est avec nous, je marche, je n'ai pas peur, je ne tremble pas de vent qui souffle de gauche à droite, car je sais, l'Éternel est avec moi. Amen. Lorsque le prophète Nébal commençait à crier, il a dit, appelez encore votre Dieu, peut-être il est en voyage. Il a donné le temps au prophète de Baal et d'Arsaté d'appeler leur Dieu. Mais la Bible me dit, leur Dieu ne venait pas. Il commençait à faire des blessures, à se détruire, pour que leur Dieu voie le sang, qu'il vienne, et il était absent. Laisse-moi te dire, si Dieu te parle au présent, cela veut dire, aucun être, même le diable, n'est pas omniprésent, n'est pas omniscient. C'est-à-dire, le diable peut être absent un moment dans ta vie, mais l'Éternel sera toujours présent dans ta vie. Un sorcier peut être distrait, comment il est sorti, mais Jésus sera tout le temps avec toi. Il savait, il dit que mon Dieu, si je l'appelle, il agira. Mais leur Dieu, ils peuvent appeler, se blesser, à crier toutes sortes de cris, mais il peut aussi être absent. Il dit, appelle-les. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui, ton Dieu n'est jamais absent. Amen. Cela veut dire, lorsque tu pleures même dans les secrets, Dieu te voit. Lorsque tu poses des questions que personne ne peut te répondre, l'Éternel est capable de te répondre.
Lorsque tu te sens abandonné, sache que ayez toujours l'assurance que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Pour mieux comprendre ce message, nous allons lire dans la même lecture, toujours, le verset 18. Jérémie, chapitre 1er, verset 18. Je lis la parole au nom du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre le roi de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Alléluia! Acclamé pour la parole de Dieu. Dieu te parle aujourd'hui. Si tu étais une faiblesse autrefois, aujourd'hui je te dis, aujourd'hui, je te façonne d'une manière différente. Tu devais une muraille de fer. Contre tes ennemis, Dieu change ta nature, Dieu change ta personne. Il crée quelque chose de nouveau en toi. Il dit, oh, aujourd'hui, je te fasse une personne différente. Je restaure ta personne. Je fais une force contre tes ennemis que tu devais une force. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu fasse en sorte contre les sorciers qui te menacent que tu sois une flamme de feu. Que contre des blocages qui viendront, contre des attaques, que tu sois une muraille qui va bloquer toutes sortes d'attaques qui peuvent venir. Il dit contre, il commence à citer, contre l'air prophète, contre l'air sacrificateur, je te fais une forteresse. Contre tout le pays, je dis peuple de Dieu, si vous continuez dans cette lecture, dans chapitre 19, vous allez voir, la Bible dit, ils te feront la guerre. Mais ils te vaincront jamais. Il dit, ils te feront la guerre. Mais ils te vaincront jamais. Parce que quand Dieu change la personne, quand il dit, je suis avec toi, cela veut dire, personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te vaincre. Lorsque l'attaque vient, le combat peut venir, mais tu sortiras toujours victorieux. Peuple de Dieu, s'il te dit je suis là, je suis avec toi pour te délivrer, cela veut dire c'est une assurance. Mutoazo bundana nzamba banga kate. Aibi ke nazo bunda menazanga mokote. Batumazo munanga moko menazana armée à munene. C'est pour cela Élisée a dit à son serviteur, à son serviteur Géasi, il dit nous sommes, il dit, ils vont nous combattre, ils vont nous gagner. Il dit, non, parce que tu ne vois pas. On n'est pas seul. C'est que l'homme que tu vois, ce n'est pas la réalité que nous sommes. Il dit, non, maître, je vois et ils sont nombreux. Nous, on n'est qu'un petit groupe. Il a dit, je te t'ouvre les yeux pour que tu vois à une autre dimension. Lorsque ses yeux étaient ouverts, il avait une grande armée, une armée puissante, une armée forte, une armée incomparable, des chars qui n'a jamais vu, des soldats qui n'a jamais vu, ils étaient à leur côté. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu aussi te dit, je suis avec toi parce que tu n'es pas seul. Parce que tu n'es pas seul. Une chose te manque, peuple de Dieu, de comprendre seulement que Dieu t'ouvre les yeux. Mais la Bible me dit, Jésus a dit à Thomas, heureux celui qui n'a pas vu, qui n'a pas crié, qui a crié. Je n'ai pas vu de soldats là, mes yeux ne sont pas ouverts, mais je sais que je ne suis pas seul. Alléluia. Peuple de Dieu, notre force, ce n'est pas le nombre de personnes humaines que tu vois. Notre force, c'est des milliers d'anges qui t'accompagnent tous les jours. Parce que la Bible me dit une chose, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache de tout danger. Si l'ange de l'Éternel est à côté de toi, est-ce que tu es seul? C'est-à-dire, tu n'es jamais seul. Et quand il te dit aussi, invoque-moi, je te répondrai, parce que tu n'es jamais seul. Il attend ta voix. Quelqu'un ne comprend pas. Des hommes riches qui cherchent la protection, ils ont des boutons. Quand il appuie cet bouton, la police arrive. Quand il appuie l'autre bouton, c'est maintenant la gendarmerie qui arrive. Les services de police d'intervention arrivent. Mais toi, tu as un seul bouton.
S'il te dit que je suis avec toi pour te délivrer, tiens un bouton qui dépasse la puissance de tous les boutons qui existent ici-bas. Même le bouton de bombe nucléaire, le bouton que toi tiens est le plus puissant. Le bouton là a seulement quelques lettres, mais sa puissance est immense. C'est pour cela que la Bible dit que tout genou doit fléchir devant ce bouton là. Et ce bouton là, c'est le nom de Jésus. À cause du nom de Jésus, toi tu ne seras pas seul. Lorsque tu seras bloqué, tu sentiras que je vais sortir. Tu vas appeler seulement ce nom-là. C'est la Bible me dit, ce nom-là est au-dessus de tout nom. Tout genou doit fléchir. Même Satan doit fléchir. Même des sorciers vont fléchir. Parce que lorsque ce nom-là est déclaré, des démons partent à plusieurs chemins. C'est pour cela que la Bible dit, ils viendront dans un seul chemin. Mais ils vont fuir dans plusieurs chemins. Que les chemins se séparent pour tes ennemis. Parce que Dieu t'a fait déjà une forteresse. Tu es une colonne de feu. Tu es une muraille puissante dont l'ennemi ne peut pas détruire. Parce que tu n'es jamais seul. Parce que la grâce, la puissance de Dieu est avec toi. Voilà ce qui me donne l'assurance que je suis jamais seul. La semaine qui vient de passer, j'étais troublé. Du coup, j'ai reçu une parole. Nazil Loba. Je suis Nazanayo. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, la parole de Dieu te donne l'assurance. Moïse a vu des signes, a vu des miracles, mais il a dit, je connais les peuples israélites, je connais les Égyptiens, mais j'y vais là-bas. Pharaon maîtrise la magie. Il connaît l'Égypte, c'était la maîtrise de toutes sortes de puissances impies. Ils étaient capables de tout faire par leur magie. Mais qu'est-ce que je dirais à ces enfants-là? Il a dit, dis-leur que je suis. Je suis celui qui suis. Laisse-moi te dire, il est là au présent avec toi. Même si tes parents ne connaissaient pas Dieu avant, mais il est là avec toi. Même si avant tu étais païen, mais le temps vient de changer. Il dit, maintenant, je fais de toi une forteresse. Que de nouvelles choses commencent en toi. Que tes ennemis commencent à avoir peur. Parce que tu as un Dieu puissant. Parce que la restauration de Dieu s'opère en toi. Celui qui te regarde d'une manière incorrecte, il verra le feu de Dieu. Parce que le bouton est là. Lorsque tu verras l'attaque, tu diras, sors au nom de Jésus. Lorsqu'il viendra t'attaquer, tu dis, dégage au nom de Jésus. Vous ne toucherez pas ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe leur force, peu importe leur nombre, personne ne pourra te toucher. Ce que j'aime dans l'écriture, la parole de Dieu peut aller même au présent, même au futur. Dans les temps anciens, ton Dieu n'a jamais été vaincu. Dans les temps présents, il ne sera jamais vaincu. Dans les temps à venir, non plus. Alléluia. Que Dieu t'aide à rendre ta vie victorieuse. Quand tu marches, quand tu dors, ne crains pas, parce que tu n'es jamais seul. J'aime bien David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon bouclier. De qui aurais-je peur? Norban abando quitté. Kindoka sembriez à la makasi nangate. Ngana zakananzambe. Kindoka sembriez dominaka batu nangate. Ngana zakananzambe. Alobina ngana za la kanga mokote. Soko kangana kindoki ya kufungo la porte na bimi. Soko kangina na pasi ya kufungo la porte na bimi. Ukangina na kuchola maya sembri ya kufungo la porte ngana bimi. Bakanga bakanga balemba po kombo ya Yesu za la kati na yu. Bako kakote po za la kana nzambe ya bomoi. Basilisa kutonge shanza komono te po nzamba za la kana yu. Basilisa kufinge shanza upete nzamba za la kana yu. On demande Zambo à la gana temps présent. Ce qui va longa et calate le loba ko longo te na mboko yo. Ce qui a ba longa yote calate le loba ko simba yote. Oyo ako simba yo ako mouna ko za la gana Zambé à présent. O sambo la gana Zambé à passé te à futur te mais à présent. Yanga le bi aujourd'hui je suis avec toi. Tala, li lobo ya je suis. Et ça là que Israël andima Moïse. Dans le bateau à présent, Moutou a résisté contre lui à comment la Kenzambe nous a gagné seul. Jude. La Bible nous apprend quelque chose dans Jude. Voyons voir. Je lis au nom de Jésus. Or, lorsqu'il discutait avec les diables,
et lui disputaient au corps de Moïse. L'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Acclamé pour la parole de Dieu. Là, tu n'acclames pas, acclamé pour la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est une révélation. Moïse était serviteur de Dieu. Il a servi Dieu dans une puissance immense. Mais lorsque l'ange est venu chercher le corps de Moïse, l'homme, la personne de Moïse, la contenue qu'il a servi, le diable aussi réclamait cette corps-là. Alléluia. Il commençait à discuter sur ce corps. Satan disait, il est aussi le nôtre. Il est né en Égypte. Il a pratiqué des magies comme dans toute autre personne. L'archange Michael a dit, disait aussi, Dieu lui a appelé. Il a travaillé pour nous. Cette corps nous appartient. Je dois amener cette corps car on m'a mandaté pour chasser cette corps. Mais la Bible dit, l'ange n'a pas voulu déplacer des paroles par rapport à cette corps. Étant donné que cet homme appartenait à Dieu, il a dit au diable, que Dieu te punisse par où. Je suis là avec toi pour te délivrer. C'est-à-dire, pour les hommes, est réservée la vie éternelle. Pour les diables et ses acolytes, il est réservé l'enfermement éternel ou l'enfer. L'homme n'est pas destiné pour l'enfer. C'est pour cela que Dieu a donné l'opportunité à toute personne qui va croire en Dieu, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsque Moïse a élevé pour Dieu, Satan aussi est venu réclamer la vie d'une personne pour que dire, lui aussi il a pratiqué des choses. Lorsque Dieu est avec toi, même dans les temps d'ignorance, tu as pratiqué des bococos. Lorsque dans les temps anciens, tu es parti chez un féticheur, l'Éternel annule cela par le sang de Jésus-Christ. Cela veut dire, la réclamation, je suis là pour te délivrer. La réclamation peut se faire, tu peux venir aussi à l'église. Tu pries. Mais des œuvres ancestrales, des lois établies de ta famille, continue toujours à te réclamer que tu restes dans la pauvreté, dans la malédiction. C'est-à-dire, celui qui reçoit la grâce de l'évangile, que Dieu soit à côté de lui, Dieu fait en sorte que toute malédiction, peu importe si tu savais l'origine ou pas, que cela puisse être brisé au nom puissant de Jésus. Et dans cette lutte, l'ange a pu obtenir le corps de Moïse. Nous avons appris ça dernièrement. Quand Jésus priait, il y avait deux personnes qui apparaient à côté de Jésus. C'était Alléluia. C'était l'affirmation que Dieu a vaincu l'ennemi. Cela veut dire, aucune réclamation diabolique ne pourra retenir ta vie, car ils seront vaincus parce que Dieu est avec toi. Car l'Éternel te conduit, il gère tes pas. Parce que dans la famille, je vais vous donner un exemple simple pour mieux comprendre que je suis là avec toi pour te délivrer. Toi, tu connais Dieu. Voici ma question maintenant. Peut-être tes parents connaissent Dieu. Est-ce que tes grands-parents connaissaient Dieu? Alléluia. Si eux connaissaient Dieu, gloire à Dieu. Leurs arrière-arrière-grands-parents, est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Or, c'est pour cela que la Bible dit, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point la vie. Des gens ont baptisé, pratiquer des choses ancestrales, livrer des familles, laisser la malédiction, laisser la condamnation, des décrets, des échecs, de placer sur la vie de quelqu'un. Même si tu fais quelque chose, rien ne pourra avancer. Mais il te dit, je suis là pourquoi? Parce qu'il veut annuler toute ordonnance qui condamnait ta vie. Écoutez-moi, très bien, peuple de Dieu. Jésus était avec Pierre.
Jésus a dit un mot à Pierre. Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour que cela n'arrive pas. Peuple de Dieu, si nous ne prenons pas conscience qu'il est avec nous, qu'il peut être réclamé par le mal. Il y a beaucoup de gens, ils évoluent avec Dieu, ils sont avec Dieu, ils ne se rendent pas compte, à un moment donné, ils baissent les bras, ils abandonnent Dieu, ils ne savent pas, ils devaient lourd, parce que des condamnations de l'ennemi ne te permet pas d'adorer, parce que il déclare que tu n'es pas appelé à adorer Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu, et ils ont conçu leur alliance de malédiction sur ta personne, avant même ta naissance, avant même que tu sois en vie, mais toi tu ne savais pas cela. Aujourd'hui, des choses de pas dans ta vie à cause de leur décret, à cause de leur pacte avec l'ennemi. Mais laisse-moi te dire, la parole de l'Éternel t'est destinée pour détruire. Peu importe l'alliance, peu importe si tu as touché quelque chose, mais l'ange de Dieu, le nom de Jésus te sort, fait sortir victorieux. Change la destinée de ta personne. Va restaurer ta personne. Va ramener vivant tout ce que l'ennemi a détruit dans ta votre vie. C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le bamuto makambwasi ke banda na vinaye. Dans le bamuto kindo ke kosimbe te ponza banda makambwasi ka. Dans le bamuto nzamba za kana ya changa histoire na vinaye. Dans le bamuto nzamba pelisa moto kacha vinaye. Moto bandoki po bazala kana moto, mais moto ya bandoki kokana ya nzambe te. Nzamba cha moto ya sika kati na yo. C'est pour cela il te dit, il t'affirme que tu n'es jamais seul. Je suis avec toi. Peu importe le combat, peu importe des limites, toi tu dois sortir, tu seras délivré financièrement, tu dois explorer, exploser, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-moi te dire, seule la parole de l'Éternel peut te donner l'assurance. Chef de famille, le baba lui, côté mais il peut abaluki na sima le bicha combo de la liste. Nana zananga alléluia. Alors bangam na bate la kabino me mutalibosa ko tcha komoro na kinduke za yo. Ezaye. Mutalibosa ko tcha komoro na malédiction za yo. Ezaye. Alléluia. Akoki ko peso ba silence, mais ba silence ya kinduki ezalaka na epso yo kana betolo li solo mobo. Là où l'ennemi opère, c'est les premières démarches que l'ennemi enlève dans la vie de quelqu'un qui est dans leur monde. La sensibilité du cœur. N'importe ce que tu as compris, n'engai. Papa a causé la moine à ma bé. Maman a causé le camoine à naie. La sensibilité du cœur n'est plus. Oh, ma maoya moine a causé l'année ta coupe, mais a salié ma bé. Les qui a causé la yaya ma bé. Mais pas un zambé zalaka bongoté. Pas un zambé zalaka. Oh, un dimanche zambé na ndenge ya solo. Ça dit a causé comme n'engai ne passe. J'aime mon prochain comme moi-même. Étant donné que j'aime Dieu, j'aime aussi mon frère. Alléluia. Yoka sirens allélo. Josué. Josué. Josué chapitre 1er, le verset 5. Josué chapitre 1er. Verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. La parole a été adressée à Josué à ces mots. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La parole a été adressée à mon frère, à ma sœur, à ces termes en disant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nakaso lo amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Et l'Éternel affirme à Josué en disant, je serai avec toi comme j'ai été à Moïse. Nzamba zala na vie na yo lolenga zala na Paul. Nzamba zala na vie na yo lolenga zala na Tabitha. Nzamba zala na vie na yo lolenga zala na Moïse. Lolenga zala na Élisée, nzamba zala likolo na yo. Na vie na yo nzamba zala toujours na vie na yo. Et si akolala nzamba zala na yo. Na ba projet na yo nzamba zala na yo. Na libala na yo nzamba zala na yo. Na kotika yo te. Ça c'est l'affirmation qui te dit. Quand il te dit je suis avec toi, il te dit aussi une promesse que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mutu moko ta kotele me la vie na yo. Mutu moko ta kotele me la lipambo le église oyo. Mutu moko ta kotele me la progrès église oyo. Makambo nzamba tye liboso no mutu moko ko empêcha ngote. Tant que nzamba zo akordo souffle le vie, mutu moko ko bote le souffle le vie azate. Mutu moko ko condamné azate. Nul ne tiendra devant toi. Na lobi pe pon église o mutu moko osala opposition pon église o azalate. Et on a dit tout le monde, on a bundisa mutuana, on a bundisa bundisa nzambe emoko. Et ça qui bon Israël, tu combats Israël, tu es en train de combattre Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nabo moyina yo. Tant que nzamba zo peso souffre le vie, nous qui mourons s'opposer na vie à bana noté, nous qui mourons s'opposer na vie à projet na yoté, na makamolo nous qui a télématé, na avenir nous qui a télématé, ceux qui bango bakata lien à pauvreté, bata décret à pauvreté, décret on est étant à makila na libosso na yoté, ceux qui bango ba flipper ça ba lia ba nyongo ya ba ndia batu, ba nyongo on est étant à likola bana na yoté, étant à likola makambo na yoté, ceux qui baboma batu, makambo on est étant à likola na yoté. Et ça promesse à Nzambe. Promesse à Nzambe, cela veut dire nul ne tiendra devant toi. L'obaka tango nazo vivre côté le melangate. Tango nazo tambo le côté le melangate. Ce qui vous allez kindo qui n'a pas de famille à Italingaite. Ce qui vous allez projet à destruction Italingate. Nana soit l'obaka côté pas en Nzambe. Moutoumo côté côté le maliboso nangai. Et tant que Nzambe a pessinga pema. O azalakanangai. Bo côté le melangaite. Ba oyo bakoluka balia nzoto no balia bana na bango moko. Amen. Ba oyo bakoluka ba bloke ba mona ba vina bango ekangama. Amen. Makambo bazo bongisele zongela bandoki wana. Ba piège na bango ekanga bango moko. Mabulu ba timoli edzi bazinga bango moko. Ba limitation ba tie bango wo bakota kuna. Parce que yo nzamba pesi yo promesse que eloko moko te ekotele maliboso no tant kozana ba moy. Lokola nzamba pesi yo bomoy na déclarer likolo na yo na rendre nul et sans effet. Maloba nyoso ba lobi likolo na yo na komo na Yesu Masia. Ba projet ba sali pour l'église oyo na sakoli na komo na Yesu Masia e kozala na nguya te na komo na Yesu Masia. Otelemelinga zo telemela nzambe. Ozo bundisa yo bazo bundisa nzambe. Bazo kangelo bazo lelo mino, bazo lelo ndem nzambe mino. Soki ba lo, soki Satan alonga nzambe te, yo pe ba kolonga yo te. C'est pour cela appelle sur assurance, je suis avec toi. Je suis avec toi. Pambate, mais je suis là pour te délivrer. Dans le zone de Balélo, la Poko Alélo, les Kamboya vie à Moutomoko est changé. Et si comme on est Simba, t'es Zamba, ça l'est Simba. Et si comme on est Souki, Zamba, fou la porte Yassika. Et si comme on est comme Mituna, Mituna, l'Oba Lélo, la Zalakanga, mon côté. L'Oba Natambo, la Kanga, mon côté. Tosanga, Zambé, t'es le Tosanakan, Zambé, à solo. Natambo, la Kanga, mon côté pour mon fingangai. Natambo, la Kanga, mon côté pour le Kanga, la Boutou. Nala, la Kapenga, mon côté pour la Kanga, Zambé, Nangai. Nzamba kotso na victoire. Nzamba changer cours ya vie na yo. Nzamba ba opérer na dimension ba tobako kamwa. Bandi maeto za kana nzambe ya solo. Muto za kana nzambe za na basini we la kaka ila kaka kaza na elongo. Yesu za kana nzambe meme na liwali we mabele bo ya ye. Parce que za kana nzambe ya solo. Azala ko beta toujours tolo. O ya moninga moni tata. Bato bandi ma Yesu bandi ma nzambe na yo wana zo sala na bomo na yo. Lokola la Bible me dit et que dans le ciel sur la terre, sous la terre, tout genou doit fléchir. Bade opposition nyoso e fuka malikboso ya nzambe oyo ndimela. Nzamba pambula lobanaye. Betela simaboko. Amen.